She bad, she bad, she bad, she bad. Gucci bad, Gucci bad, Gucci bad. Triple MG. Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo cheveux et franchement j'en ai un max, je vous en prépare un max. Grave agité là, je suis grave agité là, attends je me calme, je me calme. Franchement les mèches sont tellement belles en fait. Genre en fait j'entendais beaucoup de, j'ai vu beaucoup de revues sur cette compagnie de mèches qui disaient que les mèches étaient extra. Donc quand la compagnie de mèches m'a contacté, je me suis dit oh génial, je vais pouvoir tester enfin les mèches et donner mon avis là-dessus. Oh mon dieu, je crois que le mot extra il est pas assez. Genre après bon ça fait pas longtemps que je les ai, faudrait voir sur le long terme. Mais genre quand j'ai reçu les mèches j'avais tellement hâte déjà d'ouvrir le paquet. Mais quand j'ai vu je me suis dit ah ouais. Franchement les mèches sont tellement belles. J'ai commandé donc 3 boules de 28 pouces il me semble. Ouais c'est du 28 pouces donc elles sont longues hein. Je peux pas me lever parce que je suis pas habillée en dessous. Mais voilà elles sont super longues, elles m'arrivent en bas du dos. En plus moi je suis petite de taille donc ça m'arrive vers les fesses et tout, ouais, je trouve ça super sexy. En règle générale j'aime pas trop les longues mèches parce que je trouve que ça fait trop parce que je suis petite de taille. Donc en fait je mets du 24 pouces déjà, je trouve que ça fait super long. Et j'adore couper mes mèches, je trouve que je me préfère, enfin je m'aime bien aussi en carré. Et je me rappelle quand j'étais petite, enfin quand j'ai commencé à mettre des mèches, c'est-à-dire au lycée, je mettais des mèches super longues, je me rappelle, putain. Oh, ma mère elle me disait mais c'est quoi ça. J'étais dans un autre délire. Et après avec l'âge, en grandissant, j'aimais plus les longues mèches. Mais après ouais, il y a la mode de Nicki Minaj qui a fait des mèches super longues et tout là. Et j'ai pas suivi le mouvement. Mais là je me suis dit que vas-y, quitte à ce que la qualité des mèches soit extraordinaire, autant qu'elles soient super longues et comme ça elles me tiendront plus longtemps. Avec le temps, je sais que je les couperai, je ferai un carré long, un carré, voilà. Comme ça, je sais qu'elles me tiendront plus longtemps. C'est une closure, hein, c'est une closure qui s'arrête là, quoi, comme ça. C'est une closure, je l'ai pas travaillée du tout parce que franchement, flemme. Déjà, j'avais tellement la flemme de monter la perruque. Alors s'il fallait en plus que je monte, que je dégarnisse la closure et tout, ça allait me saouler. Donc la closure, j'ai juste vraiment épilé l'arrêt pour que ça fasse bien, quoi, pour que ça fasse pas fouillis. Et j'ai monté la perruque, comme vous avez pu le voir dans le titre, avec un pistolet à colle. Franchement, c'était super facile. Mais moi, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Je sais que la première fois, j'ai plus galéré que cette fois-là. Et là, je vous ai vraiment filmé et tous les étapes, etc. C'est tellement plus rapide quand on a la main. Mais quand on n'a pas la main, je vous conseille... Enfin, je vous conseille pas de le faire avec des bêtes de mèche si vous avez pas la main. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si vous avez pas encore la main et tout, avec le pistolet, etc. Si vous avez pas encore le mouvement... Faites ça avec une perruque lambda. Moi je sais que la première fois j'avais pris une ancienne perruque en fait pour... J'ai pris une ancienne perruque pour essayer la technique avec le pistolet à colle. C'est une technique que vous avez déjà dû voir sur YouTube. Mais voilà, moi je voulais essayer, je voulais vous filmer ça. J'ai hâte que vous voyez. Et je vous retrouve tout de suite.
Donc voilà le résultat. Franchement, j'aime trop le résultat. Genre, c'est tellement plat. Le résultat est d'une. C'est plat. C'est plat de ouf. C'est plat de ouf. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, je vois, je sens aucune bosse. Je sais pas. C'est trop beau. Et c'est super rapide. J'ai mis 45 minutes. J'ai mis 45 minutes. Et je suis sûre que parce que j'ai pas encore bien la main, que j'ai mis 45 minutes. Et si vous avez peur que ça se décolle, et sachez. Comme moi, j'ai voulu découdre une ligne en bas parce que bon, j'ai pas encore la technique. Parce que là, je sais qu'en bas, je serre beaucoup les lignes comparé en haut parce que moi, j'aime bien que ça soit plat en fait en haut. Tu vois, je veux quand même avoir du volume, donc je mets beaucoup de lignes en bas. Mais en haut, je veux que ça soit plat. Tu vois, j'aime pas les perruques avec des. Voilà, j'aime pas les grosses perruques. Donc je voulais tellement que ce soit plat là-haut que j'avais gonflé le bas. Et quand j'étais à ce niveau-là, en fait, j'avais peur de pas avoir assez de mèches. Donc j'ai essayé d'arracher une mèche en bas. J'ai réussi à l'arracher parce que ça faisait peut-être 20 minutes que je l'avais collée. Mais là, impossible d'arracher. Genre, si vous vous battez dans la rue, pourquoi vous allez vous battre dans la rue? On se bat pas, les filles. On se bat pas dans la rue, les filles. On se bat pas tout court, d'accord? Mais si jamais vous arrive un truc dans la rue qui fait que quelqu'un vous tire les cheveux, ben, n'ayez aucune motherfucking crainte. Ça ne part pas. C'est incroyable. Après, pour le lavage, je sais pas du tout si ça tient à l'eau. Bah, faudrait que j'essaie. Je vous dirai. Ultérieurement, si ça a tenu, ouais, si j'ai dû aller laver, et bah, je pense que j'en fais peut-être une coloration, au point que non. Donc voilà, donc je sais pas du tout à la fin, je vous dirai ultérieurement si jamais j'ai allé laver et si ça a tenu ou pas. Mais en tout cas, c'est un gain de temps incroyable. La perruque tient bien sur ma tête. J'ai même pas mis d'élastique pour vous dire, j'ai pas besoin de mettre d'élastique. Franchement, je suis très contente du résultat, donc j'espère que vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.